sur les yeux. Oh non. 3 points de plus pour Bill. 29 à 0. Enfin un rayon de soleil. Après toute une semaine à se geler le pompon. Se geler? Tu parles, il faisait 15 degrés. Je sais ce que tu penses, caporal, mais je déteste le froid. Je n'aime même pas le tiède. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pas comme si je l'avais entendu déjà 10 000 fois, mais allons-y, j'écoute. Figure-toi qu'une fois, au pôle Nord, je suis sortie en mission secrète en oubliant mon anorak. Ne t'inquiète pas, Caro, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? La porte du frigo s'est refermée sur Caroline pendant qu'elle prenait de la laitue. Elle est frigorifiée. J'ai froid, mais tout va bien. Il n'y a pas de quoi fouetter, hein. Pauvre Caro, les tortues n'ont pas le sang chaud comme nous, les mammifères. Je l'ai lu dans un bouquin chez le véto. Faudrait enlever ta carapace pour que le soleil te réchauffe partout. Je reviens. Crois-moi, Caro, ça va te faire du bien. J'aime pas trop enlever ma carapace. Allez, Caro, enlève-la et moi, je vais te frotter le dos. Et moi, je vais juste rigoler. Tiens, Caro, maman t'a réchauffé de la soupe d'hier. Et voilà. Oh, mon idole, elle a eu la même idée que moi. Tel chat, telle maîtresse. Georges, ne laisse personne entrer sous aucun prétexte. Et surtout pas Boule. On se retrouve au parc pour faire un foot. C'est plus sympa que le basket. Il veut prendre sa raclée au foot aussi. Dès que Caro va mieux, on arrive. C'est bon, maintenant je suis réchauffée. Mais Caroline, tu n'avais pas mise là ta carapace. À tout à l'heure, on va faire des courses. Vous avez vu la carapace de Caroline? Bah, Caro, tu te souviens vraiment plus où tu l'as mise? Elle doit pas être bien loin, ça ne se perd pas une carapace. Bah si, hein, la preuve. Bon, il suffit d'ouvrir les yeux. Oh, aïe, c'était là, ça? Mesdames et messieurs, le retour de Super Haricot. En fait, j'hésite. J'hésite entre Super Endive, Flageolet Girl ou Haricot Bear Woman. C'est sûrement le matou qui a volé la carapace. Ça va, mon Bill? Tu crois que c'est Caporal qui a fait le coup? Pas sûr, sinon il aurait laissé son odeur dans le jardin. Oh, peut-être que les caméras de Madame Stick ont filmé celui qui l'a prise. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Madame Stick, c'est Boule. Je me demandais si vos caméras de surveillance avaient... Elles sont en panne. Cette carapace est idéale pour ma nouvelle invention. Elle m'a même pas laissé finir. Venez, on va aller voir. Ces caméras ne peuvent pas être tombées toutes en panne en même temps. Laisse tomber, Bill. On va chercher nous-mêmes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est forcément Pouf qui nous a fait une blague. Salut, Nolan. Un monstre. Un monstre, oui. Mais non, bah...
sais, je plaisantais. Je ressemble plus du tout à rien. On me confond même avec un monstre maintenant. Dis, c'était drôle 5 minutes, mais tu peux la rendre maintenant, la carapace? Moi? Mais je l'ai pas prise. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est qui alors? Super Hippomètre, un serpent avec des pattes. Il s'est sûrement échappé du zoo. Reste là, petit monstre. Reste là. Bill, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Excusez-le, il a eu peur du serpent. Il est parti par là, monsieur. Surtout, restez calme. Il y a un reptilien rampant en liberté. S'il y a un charmeur de serpent, je suis preneur. Même un joueur de flûte. Il vaut mieux qu'on rentre à la maison. On va te trouver une carapace provisoire, ok? On cherche de notre côté. Si on trouve celui qui a fait ça, on te le dit. Oh, c'est humide là-dedans. Oh! Et puis ça sent la feuille bouillie. Oh, ça pèse au moins 1 kg, ce truc. Et où est les copains? Vous êtes où? Et voilà. Impec, ça c'est léger. Tu vois où tu vas et tu respires. Oh, heureusement, parce que là-dessous, ça sent un peu les pieds. Oh, oh non. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est peut-être tombée nez à nez avec le même voleur que nous. Bill, va voir, mais fais attention. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Madame Stick? Elle a la carapace? Elle installe un réacteur dans la carapace de Caroline pour l'envoyer loin d'ici! Papa! Maman! Zut, ils sont partis faire des courses! Pas le temps de les attendre, il faut agir! On va s'occuper de George et Caporal! Et de Madame Stick! Ah ça, c'est une très bonne idée, mon Bill! Bravo, Super Harry. Caro, même sans carapace, tu assures. Eh, ce serait pas la perche télescopique de Madame Stick, là? Maintenant, au tour de Madame Stick. Tu crois qu'elle rentre là-dedans? Mais non, Caro. Je voulais dire au tour de Madame Stick d'avoir affaire à... Boule, Bill et Caroline, les justiciers. Ça y est, j'ai modifié la carapace. Oh, qu'est-ce que vous faites là? George! N'importe quoi. C'est... un serpent. Oh, c'est vrai. Bien joué, mon Bill. C'était Caroline. Oh, il y a comme des fils à l'intérieur. Tu vas voir, ma petite tortue. Non, non.
J'ai installé le chauffage à l'intérieur de ta carapace. Le chauffage? J'ai entendu quand Caroline avait froid et je sais ce que c'est d'être frigorifiée. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je n'étais pas sûre de réussir mon invention. D'ailleurs, j'en ai un peu bavé. Enfin, pas de la bave, hein, je veux dire... tiens, Caroline, maintenant c'est à toi. Ah, on se croirait sous les tropiques. Au revoir et encore merci, Madame Stick. De rien. Georges, une boisson fraîche. Georges? On les a oubliés, ceux-là. Je me vengerai. J'ai chaud! Coucou, Caporal, je t'ai manqué. J'ai chaud! Ah bah, c'est pas trop tôt! Hein? Oh, on crève de chaud! Oh. À boire! Oh, y a pas à dire, ça fait du bien. Sauf qui peut. Attention au monstre. La redoutable Carosilla attaque les habitants de la ville. T'as pas l'air d'un monstre, Caro. T'es la tortue la plus mignonne du monde. Sauf que ta tortue ressemble beaucoup à une tortue alligator. J'ai vu un reportage là-dessus hier soir. Des animaux extrêmement dangereux. Mais oui, bien sûr. Elle va même devenir plus grosse que la maison. Notre mission est de neutraliser cette tortue avant qu'elle ne devienne géante et qu'elle ne détruise tout notre quartier. Oui, allô? C'est bien le zoo? Bien. Je vous appelle par rapport à la tortue de mes voisins. Je suis sûre qu'elle est dangereuse. Oh, non, elle n'est pas très grosse. Oui, mais on n'a vraiment pas le temps de discuter. Non, je n'exagère pas du tout, voyons. C'est ça, bonne journée. Puisque c'est comme ça, je vais aller la capturer moi-même pour l'emmener au zoo. À tout à l'heure, Boule! C'est trop fatigant de jouer les monstres. J'ai bien mérité une petite sieste. Ça va être plus facile que je le croyais. Caporal, j'ai besoin de toi. Va chasser cet oiseau. On refait de partie. On va envoyer Georges. Qu'est-ce qui lui prend, un stade ferraille? Quelle bande d'idiots! Caroline est une espèce de tortue très dangereuse! Et je vais l'attraper! Alors comme ça, elle veut attraper Caro. Ouais, ben qu'elle essaye. On fera tout pour l'en empêcher. Ouais, on l'attend! Faut qu'on
trouve un signal secret pour prévenir les autres si Madame Stick arrive. J'en ai un que je fais souvent. Super, Bill. Et le mien, ce sera... Mais bon, si t'es vraiment une tortue géante, où est-ce qu'on va te mettre? J'ai toujours su que j'étais unique. Waouh, j'ai déjà l'impression que je grandis à vue d'œil. Et en plus, j'ai super faim. T'es pas une tortue géante, t'es juste gourmande. C'est ça. Et toi, t'es jaloux. C'était quoi? Caroline, salade. Hé, hey, je sais ce que tu manigances, caporal. Oui. Et ça va pas marcher. Oh non, c'est qui? C'est Madame Stick. Et elle m'a vu en plus. Qui est là? C'est la voisine, Boule. Ouvre-moi, j'ai apporté plein de salades pour votre adorable aligue... votre tortue, je veux dire. Merci, mais elle a pas faim. Je reviens. Mais prends-la quand même, on sait jamais. Laisse-moi tranquille, sale bête. On la reverra pas de sitôt, celle-là. Tu vas voir, je vais battre ton record de salto. J'ai trop faim. Je suis sûre que les tortues géantes doivent manger toutes les 2 heures, minimum. Tu vas devenir énorme et tu pourras plus bouger. T'es jaloux, c'est tout. Parce que je vais être plus grande que toi et surtout plus forte que toi. Regardez, tire bouchon. À nous deux. C'est pourtant bien. Hé, hey, au secours. Je veux pas aller avec elle, Bill. T'inquiète pas. Tu vas lâcher, oui, vilain chien. Lâche pas, Bill. Madame Stick est complètement zinzin. Faut qu'on cache Caro et qu'on trouve de l'aide. Bill, tu t'occupes de Caro, moi, j'appelle Pouf. Allez, Pouf, s'il te plaît, décroche. Allô? Pouf, j'ai besoin de toi. Tu peux venir? Bah, je suis au restaurant, là, mais on a fini, ma mère paye l'addition, pourquoi? Madame Stick essaye d'enlever Caroline. Elle dit que c'est une tortue géante et qu'elle devrait être dans un zoo. Une tortue géante? Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Bon, je t'attends, hein. Dépêche-toi. Bizarre. Bonjour, Pouf. Je t'ai entendu parler d'une tortue géante. Bonjour, docteur. Ah oui, en fait, c'est Boule, il m'a dit que... Oh, un vétérinaire! C'est ce qu'il nous faut. J'espère qu'il y a à manger là-dedans. Voilà, c'est parfait. Laisse-moi sortir. Je peux pas rester là-dedans, il fait tout noir. Tu préfères que je te mette dans le frigo? Oh non, c'est trop froid. Bon, faut qu'on te cache quelque part où elle te trouvera pas. Pourquoi pas dans le garage? Oh, oh non, 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 ça fait peur le garage. Allez, il faut vite qu'on te trouve une cachette. Ah ah, elle va pas regarder là-dedans. J'aime bien, c'est confortable. Faut que j'y aille. Madame Stick est dans notre jardin. Je l'ai vue escalader la haie. Mais après, c'est comme si elle avait disparu. Trop bizarre.
Faut qu'on la trouve. Tu regardes par là, moi je regarde de ce côté. Oh là là, j'ai super faim moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est vous! Hein? C'est Caro! Oh non, elle est plus là. On doit la récupérer avant que Madame Stick l'emmène loin d'ici. J'ai une idée, viens avec moi. Ouais. Tu te rends compte, Nala? Une tortue géante dans notre ville. Tu seras beaucoup mieux au zoo qu'à côté de chez moi. Vous vous en sortirez pas comme ça. C'est parti. Merci, docteur. Tout le plaisir est pour moi. Je suis désolée, mais cette tortue est une tortue tout à fait ordinaire. C'est sa faute. Elle a dit que Caro était une tortue alligator. Elle est très dangereuse. Pas vrai? Non, pas du tout. Oh, c'est trop dommage. J'avais tellement envie de voir une tortue géante. Voilà ma facture. Bon, alors bonne journée à tous, madame. Bonne journée. Merci, monsieur. Ah, on s'est bien amusé. Moi, ça m'a donné soif, pas vous? T'es peut-être pas une tortue géante, mais pour moi, t'es quand même géante. Ça veut dire que je peux manger autant que je veux maintenant. Trop bon. Félicitations, Ming. Tu fais maintenant partie de la tribu des souris vertes. Bill, va chercher la souris. Le totem. Ah, le totem, non mais quelle blague. C'est tout juste bon à se faire les griffes, ce truc. Ah, le totem. Alerte. Caporal le crotal a piqué la souris verte, enfin le totem. Notre totem. C'est pas vrai, non. C'est la troisième fois qu'il nous le vole. Il a volé. Et si le totem il est volé, ça veut dire que je peux pas faire partie de votre tribu. Tu rigoles? Tu vas participer à ta première mission. On va lui reprendre et fissa. Tremble, caporal! La terrible tribu des souris vertes est sur le sentier de la guerre. Tu vas nous faire repérer par Madame Stick. Pas de risque, elle est sortie. Mais je rêve. Vous avez vu? Il commet un sacrilège. Il se fait les griffes sur le totem. Caporal, gare à tes poils! Chercher, Joe l'Indien. Bah alors, il a besoin d'antidérapant sous les coussinets, le chaton? Mission réussie. Allez, les souris vertes, on se replie. Ah, sale cabot, tu vas me le payer. Youhou! On a récupéré le totem. Vas-y, la victoire. J'ai fait le coup de l'hélico, t'as vu la tête de caporal?
Maman Caro, pourquoi t'as pas participé à l'attaque? Bah, cache ta joie. Oula, il y a un truc qui cloche avec Macaro. Elle a l'air triste. Boule et toi, vous avez des copains qui vous ressemblent et pas moi. Caro est triste de pas avoir des amis tortues, c'est ça? Oh, mais on n'a pas besoin d'être pareil pour être amis. Par exemple, Boule et toi, sauf erreur, vous n'êtes pas des chiens et pourtant vous êtes mes meilleurs amis. Ah bah super sympa le mec, donc moi je compte pour du beurre quoi. Oh mais toi c'est pas pareil, tu ressembles à rien. Zut, j'allais oublier. Bill, on a rendez-vous chez la toiletteuse pour récupérer tes croquettes. Et le salon ferme pendant le déjeuner. Allez tout le monde, il faut se dépêcher. Caro, viens avec nous, ça va te changer les idées. Le carrosse de son Altesse est avancé. Et regarde, moi je reste avec toi. Hasta la vista, les amis. Ben, et ma copine, elle est pas là? Elle a pas voulu venir. Caro est triste parce qu'elle aimerait avoir une amie tortue pour jouer avec elle, genre pote de carapace, tu vois. Oh, évidemment, moi j'ai des plumes mais pas de carapace et je suis son amie. Enfin, je le croyais. Et voilà les croquettes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage? C'est Pamela. Une tortue qui est en garderie ici. Ses maîtres la récupèrent ce soir. Mais bien sûr, Pamela! Quel crâne de pierre je suis! Oui, c'est une tortue. Et alors? Allez, quoi? Ni vu ni connu, ça ferait tellement plaisir à Caro. Quoi? Tu veux piquer la tortue? Mais Bill, elle a des maîtres. On n'a pas le droit de faire ça. Et Pamela, entre nous, c'est pas une rigolote. Hein, mais bon, c'est peut-être l'amie dont rêve Caro. Oh! Caro serait tellement contente juste pour la journée et on la ramène direct. Dis oui! Non, pas question. Même pour Caro. Tu nous aides, Boule? Oui, oui, bien sûr, madame. Oups, j'allais oublier mon rendez-vous. Je dois fermer, les enfants. Tant pis, j'aime pas contredire Boule, mais là, c'est pour Caro. Toi, tu fais diversion pendant que je récupère Pamela, d'ac? On y va, Bill. Oups. Nala. Me rendra folle. Nala, reviens tout de suite. Personne à droite, personne à gauche. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Eh ben si, y a quelqu'un. Allez, Nala, rentre maintenant. Vas-y, Bill. Plus de sortie, tu es punie. Alors, comment tu te sens, Caro? Hé, il y a un truc qui bouge, là. Ah, une tortue. Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est Pamela, la tortue du salon. Bill, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as désobéi? Dans les pattes. Pauvre petite, c'est sans doute le stress. J'avais dit non. La toiletteuse va être furieuse et c'est moi qu'on va accuser d'avoir... Elle s'appelle Pamela et puis je l'ai juste empruntée. Personne ne le saura puisque la boutique est fermée. Pamela! Oh, quel joli nom! Elle est bien par là, ma copine! Oh, Bill, t'as fait ça pour moi! C'est trop gentil! Oh, quel manque de finesse! Attends, Pamela! Ah, je suis trop contente de te rencontrer. Tu sais, c'est pas facile d'être la seule tortue de la maison. Je me sens pas toujours comprise. Pourtant, je vais... Caro s'est fait une copine. Ah bah, ça m'étonne pas. Laissez les filles, je m'occupe de tout. Et une feuille de salade pour la table 6 et les carottes et hop. T'aimes ça, Pam? Bravo, Bill. Dis donc, l'éducation, c'est en supplément. Mon nom, c'est Pamela. Oh. Hey, il est trop drôle, hein? Il est ridicule, oui. Et tu vis là? C'est beau, hein? C'est moche ou minable? J'hésite. Oh, quand je pense que j'ai un terrarium dernier cri qui m'attend chez mes maîtres. Mais alors? T'es enfermée tout le temps? Personne ne joue jamais avec toi? Oula, elle est pas commode, la copine. Viens, je vais te faire visiter. Elle a l'air trop contente. La cabane, notre quartier général. Les trampolines, tu connais? Ah, c'est super rigolo. Et là, c'est la niche de Bill, mais on dort tous ensemble dans la chambre. Bah, tu
dors avec ce chien, c'est dégoûtant. Remarque, vu ton odeur, j'aurais dû m'en douter. Alors Caro, tu fais visiter ton royaume à ta copine? Oh, je crois qu'elle est un peu timide. Ça va te plaire. Tu voulais faire plaisir à Caro, mais cette Pamela n'est vraiment pas un cadeau. C'est une vraie peste. Si ça continue, je la dépose devant la boutique de la toiletteuse sans attendre l'ouverture. Moi? Une peste? Personne n'a jamais parlé comme ça de moi. Ouais, ça y a un début à tout. J'ai tout raconté à papa. Il a téléphoné à la toiletteuse pour dire que Pamela était ici. Je la ramène dès que ça ouvre. En attendant, ça vous dirait un petit tour de trampoline? J'en ai jamais fait. Pas possible. Tu veux essayer? N'aie pas peur, Pamela. Notre totem t'accompagnera pendant le vol. Serre-le fort dans tes bras et tout se passera bien. La souris et Caro réunies, je tiens ma revanche. Charge! Allez, Pamela! Alors, c'est pas génial de voler comme Nala? Ouais, c'est pas mal! Non, pas ça! Tout ça, c'est de ma faute! Tu crois que Pam a été enlevée à la place de Caro? Caporal ne va en faire qu'une bouchée! Même si elle est pas sympa, il faut pas la laisser entre ses griffes! Bing, dans ta truffe, Bill! On va voir si tu fais encore le malin! Allez, Caro, rends la souris ou je te transforme en pâté pour chat. Ah non, moi je préfère les croquettes pour chat. Aïe, pas la queue. Donne-moi ma souris. Mes croquettes! La pauvre! Vite! Attends, Caro! T'avais raison, Noisette! On dirait que Caporal s'est trompé de tortue! Il va passer un sale quart d'heure! C'est délicieux! Gare à tes moustaches, Miner! Mais c'est qu'elle me fait mal! Non, d'une patte carotte est malade! Rends-moi cette souris! Il la prend vraiment pour moi! Caporal va être servi! Elle est super coriace, ta copine! Youhou! Vas-y, Pam! Bill à l'aide! Caro est devenue folle! Il y a deux tortues! Oups, on t'avait pas prévenu! Je te présente Pamela! Je crois même qu'elle a la rage. Ça pique. Hurra. Je m'étais pas amusée comme ça depuis Oula, ben je sais même plus, tiens. Quelle rigolade! Désolée de jouer les troubles faites, mais là, faut vite qu'on ramène Pamela au salon. Ah, vous voilà, les voleurs de tortues. Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins. Ça alors, quelle mine! On dirait que cette balade t'a réussi, ma cocotte. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ton père a suggéré que tu viennes m'aider à ranger la boutique avant la fermeture. Oui, oui, bien sûr, madame. Tu pourras rencontrer les maîtres de Pamela et peut-être leur donner de bons conseils pour qu'elle reste une tortue heureuse. Je peux rester aussi pour donner un coup de main à mes amis. Oh, amis! Moi aussi! Oh! Nala, tu es incorrigible. Tu sais, je me suis trompée. Je voulais une amie qui me ressemble, mais j'ai compris. J'ai compris que les meilleurs amis du monde, ils sont là, avec ou sans carapace. Tous amis! Alors, Caroline, t'es encore allée fouiner dans les salades? T'inquiète, tu vas être toute belle. Mais je suis déjà toute belle, hein, Pile? Raconte. Boule, ah. Tu peux venir deux minutes, s'il te plaît? Désolée, une urgence. À toi de jouer, Bill. Pas besoin, il me prend pour qui?
place aux professionnels. Avec moi, tu vas être brillante. J'ai besoin de nouvelles lunettes pour lire et je suis tentée par ces montures en écailles de tortue. T'en penses quoi? Quoi? En écailles de tortue? Non mais ça va pas la tête. Ah oui, pas. Ça tirait drôlement bien. Nom d'un os. Qu'est-ce qu'ils fabriquent derrière cette porte? Elles sont chouettes, c'est vrai. Mais tu trouves pas qu'elles me font un gros nez? Pas du tout. Elles sont hyper stylées. Et regarde, tu peux même choisir la couleur que tu veux. Je veux qu'elle soit de la même couleur que Caroline. Ce serait parfait. Mais il faudra que je l'emmène chez l'opticien avec moi. Je sais où elle est. Je vais la chercher. Non mais je rêve. Ils veulent te piquer tes écailles pour en faire des lunettes. Et Boule est dans le coup. C'est pas un rêve, Bill. C'est un cauchemar. Ma carapace, au secours. Pas de panique, Caro. Primo, je t'évacue. Deuxio, tu vas te cacher. Troisio, je m'occupe du reste. Allez, hop. Caroline. Caroline. Caroline, j'ai une belle salade pour toi dans la cuisine. Caro, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Chut. Caroline. C'est vrai? Mais c'est trop horrible. Bouge pas de là. Je vais les faire changer d'avis. Robin, tu me siffles s'il y a du danger, d'accord? D'accord, t'inquiète, question signal, je connais la musique. Elle est pas là non plus. C'est bizarre, d'habitude c'est toujours là qu'elle se met pour être à l'ombre. Je crois que j'ai compris. Elle joue à cache-cache, exactement comme ce coquin de caporal. Bill! Oui, c'est ça, et je sais même où elle est cachée. Mais je vous le dirai jamais. On dirait que Bill sait où elle est. Allez, Bill, aide-nous un peu. Caroline, il y a une belle salade qui t'attend. Trop fastoche. Bill, alerte. Un café? Ouais, pourquoi pas. Non, pas de lunettes ici. Tu préfères le tennis? Non, rien non plus par là. Oh, bingo! Caroline, vite, sauve-toi! Merci, Robin! Va-t'en! Va vite te cacher autre part! Mais c'est l'heure du goûter! Caro, t'es où? Oh, quel joli petit oiseau. Madame. Mes lunettes. Merci, monsieur Moustache. C'est pour la bonne cause. Je vous les rapporte très vite, je vous le promets. Caroline? Pas là non plus. Tenez, en voilà des lunettes. Maintenant, vous laissez Caroline tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça, Bill? Tu les as prises à qui, ces lunettes? Va les rendre immédiatement. Qu'est-ce que t'as, Bill? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Mais ils ont des croquettes dans le cerveau ou quoi? Ils peuvent pas la lâcher. Ah, mais je sais. Elle doit être dans la cuisine. Caro, vite, les écailleurs arrivent. Caro! Bill, ça suffit. La comédie a assez duré. Laisse-nous passer. Mais où est-ce qu'elle est? Quelle horreur, j'ai rêvé que j'avalais une mouche. Mais où sont passées mes lunettes? Oh, c'est pas vrai. Bill n'a pas l'air d'aimer le nouveau produit pour le sol. Caroline a disparu et même Bill n'arrive pas à la retrouver.
c'est malin! Je vois rien du tout sans mes lunettes. Si je retrouve celui qui me les a volées, je... Qu'est-ce qu'il fait là, ce vase? Oh! Qui est assez bête pour planter un arbre à cet endroit? J'imagine que c'est moi. Oh, j'aurais dû acheter un appartement. T'inquiète pas, on va la trouver. On va fouiller derrière chaque brin d'herbe s'il le faut. Allez, c'est parti. T'inquiète pas, Boule. Elle doit pas être bien loin. Caroline! 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 Hein? Je cherche ma tortue. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non! Hein? Allez, sors de là! Je veux juste un petit câlin! Bon débarras! Caroline! Bill! Vous êtes où? Toujours aucune trace de mes lunettes! Et voilà! Bon, je vais me faire un thé, moi! Aïe! Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Elle a changé de cachette, Bill. J'ai pas pu te prévenir, il y avait Caporal qui essayait de me croquer. Ah, celui-là! Qu'est-ce que j'ai envie de lui nouer les moustaches! Allez, on fonce! Oh, c'est pas du thé, ça! On dirait... du poivre! Surprise! Laisse-toi tranquille! Laisse cet oiseau tranquille, Caporal! Qu'est-ce que vous voulez? Parlez plus fort, j'y vois rien du tout! Bonjour, Madame Stick! Vous n'auriez pas vu notre tortue par hasard? Non! Dites donc, voisin, vous n'auriez pas vu mes lunettes par hasard? Vos lunettes? Ah non, non, pas du tout, du tout. T'inquiète pas, on va la retrouver. Caroline n'a pas pu s'envoler. Allez, viens, fiston. Tu veux que je te dise, j'ai jamais vu un vase aussi beau. Caro! Te voilà! Brigand! Cours, Caro, cours! Voleur d'écailles! Caroline! Caroline! Bill, mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ça suffit! Viens par là, Caroline! Laisse-la tranquille! Bill, reviens! Arrêtez! Vous ne toucherez pas à une écaille de ma Caro! À vous de jouer! Place au plan D! Comme dernière chance! Y'a un trois près! Oh là là! Waouh! On n'y arrive pas, elle est trop lourde! Accroche-toi! Bill, arrête tes bêtises! Bill! Je la tiens! Raté! Par ici, Caro! Mais qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Bonjour, monsieur, vous avez perdu quelque chose? T'inquiète pas, Caro. Je vais t'emmener super loin d'ici et on ne te retrouvera jamais. Oh, arrête, Bill! J'abandonne! Laisse-les prendre mes écailles. J'espère que ça fera pas trop mal. Ah, voilà! C'est pas trop tôt! Pourquoi tu voulais te cacher, ma Caro? Je viens d'avoir l'opticien au téléphone.
Pas besoin de lui amener Caroline. Il suffit de prendre sa carapace en photo et de lui envoyer pour qu'il ait la bonne couleur. Mais alors, ça veut dire que vous voulez plus lui piquer ses écailles? Oh, d'accord, je comprends. Mais non, on ne va pas prendre les écailles de Caroline. Même pas en rêve. Je veux que mes lunettes aient la même couleur que sa carapace, c'est tout. Je l'adore, notre tortue. Un voleur de lunettes? Oh, inutile d'aller porter plainte, madame Stick. Je sais qui nous les a empruntées. Waouh! Ah oui, elles te vont vraiment hyper bien. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Caro, de me prêter ta couleur. Regardez, elles vont bien avec ma carapace, vous trouvez pas? Ouais. T'en veux pas une paire, Bill? Non merci, moi les lunettes j'en ai par-dessus les oreilles. Bill, il y a du monde pour toi. Oh oh, chaud devant. Jaloux, c'est tout. Jaloux de qui? D'un koala avec des couettes et d'une espèce d'escargot à roulettes? Fais pas trop le malin, je vais te friser les moustaches. Oh, mon pauvre caporal! Tu me rattraperas jamais, sac à puce! Tu vas laisser mon chat tranquille, espèce de sale cabot! Avec ça, je suis sûre qu'on va la gagner, cette course des engins volants. Ouais, cette fois, Axel et Luna ne feront pas le poids. Oh. Hein? Mais... Confisqué! Tu as intérêt à retrouver mon chat, sinon tu peux dire adieu à ton jouet. Quoi? J'ai vu ton chien. Il courait après mon pauvre chat sans défense. Sans défense, lui? C'est ton chien. C'est donc à toi de retrouver mon chat. Oh, mon dirigeable! Oh là là, comment on va faire pour la course? Bon, il faut qu'on retrouve Caporal. Ah bravo, Bill. Je commence à en avoir ras-le-bol de toutes tes bêtises. Il commence à en avoir ras-le-bol de toutes mes bêtises? C'est fini, il m'aime plus. C'est vrai qu'il a l'air fâché, Bull. Mais je suis sûre qu'il te pardonnera si on retrouve Caporal. Oh, Caro, je t'adore. Bon, vous êtes avec moi? C'est que j'ai rendez-vous chez le pédicure. Une griffe cassée. Désolé, moi j'ai toute ma niche à ranger. Alors, c'est qu'il faut chercher? Caporal. Ah, Caporal? Oh, ça tombe mal, j'ai un tas de graines à trier là. Bah bravo, hein. Ça c'est des amis. Quand on a vraiment besoin d'eux, il n'y a plus personne. Désolée, je voudrais bien vous aider, mais le problème, c'est que Caporal a voulu me croquer plein de fois. Et moi, il m'a griffé super fort la truffe. Et en plus, il sent le hareng. Oui, je sais, mais il faut que Bull pardonne à Bill. Oui, excuse-nous, Bill. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des équipes. Hein? Des sushis. Bill, Ming, je viens de flairer un truc trop berk. Suivez-moi. Oh, je vais pas assez vite.
C'est comme si c'était fait. Trop fort, Bill. Chercher un chat dans une poissonnerie, bien sûr. J'aurais dû y penser. Oh zut, c'est fermé. Du hareng. Ça sent le hareng. Ça vient de par là. Ouais, je crois qu'on tient une piste. Youpi! Wouhou! Ouais! Et d'ici, je vois tout. Tu peux plus te cacher, Caporal. Super Curline va te trouver. Wouhou! Ouais! Pas de panique! J'arrive! On a besoin de Bill, là! Eh oh! Caporal! Caporal! Viens, Minou, Minou, Minou! Oh! Ça fait déjà plus d'une heure qu'on cherche ce chat! Excusez-moi, vous auriez pas vu le chat de ballon Sushi Pop par hasard? Et vous, vous n'auriez pas vu le chat de Madame Stick par hasard? Ah, le voleur de sushi! Non, et franchement, tant mieux! C'est dingue, ça! Il ne s'est quand même pas envolé! Ça, c'est sûr, mais vu qu'on ne l'a pas retrouvé, va falloir qu'on demande un délai à Luna et Axel pour la course. Bill! Hey, Bill! Coucou, je suis là! Ouh, c'est quoi cette odeur? Hareng sort, la belle rouge. J'en mettrai ma truffe à couper. Vite! Il faut que tu viennes! Quoi? Caporal est tout près! Je le sens, il est dans ses poubelles! Oui, peut-être, mais il y a une urgence, là. Caro a besoin de ton aide. Fonce, Bill, on va s'occuper des poubelles. Tant qu'on l'a pas trouvé, on lâche pas l'affaire. Promis. Merci, les copains. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, au secours, je vais lâcher. Tiens bon, Caro. Ouf, t'es là, Bill. Demande juste un petit délai de rien du tout. Ah, ah, c'est bon, les nuls. Vous avez 5 minutes. Après, on ira dire à tout le monde que votre dirigeable est complètement dégonflé, comme vous. Dégonflé? Viens, Boule, on va leur montrer. Je te parle. Est-ce que vous avez vu mes ballons? Là! Regarde, c'est notre maison! Bravo, Caroline! Je suis là, mes petites chéries. Je vous aime, je vous adore. Robin, Caro, tout va bien? Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Caro a dû atterrir dans le jardin de Madame Stick. Hey, dis donc, j'entends pas que des mots d'amour. Il y a des hoquets aussi. Hein? Mais oui, c'est Caporal. Waouh, il est dingue de ses croquettes.
Pas la peine, vous l'attraperez jamais. Mais tu vas sortir de là, espèce de ventre sur pattes. C'est que tu sens bon, Bill. Nom d'un os à moelle, j'empeste le hareng. Sers-toi de l'odeur, Bill. Allez, viens avec moi. Mon pauvre caporal, dis à tes animaux de le lâcher tout de suite. Oh, je le savais, c'est bien vous les kidnappeurs. Quoi? Des sacs de croquettes? Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce tronc? Oh, c'est que je suis obligée de les cacher pour empêcher Caporal de s'empiffrer. C'est malin, non? Désolé, je vous ai accusé à tort, les enfants. Tenez, j'ai amélioré quelques petits trucs, vous verrez. Merci, Madame Stick. Rentre. Prêt? Coucou. Chose est sûre, Caporal, il est pas dans l'eau.